Salut, salut la famille. Flore Denis s'adresse à toutes ces personnes-là qui sont en train de polémiquer comme quoi la soirée de Caris Photo, c'était en fait la soirée du village, comme quoi c'était la base qui se sont mobilisées pour que ces soirées puissent être une réussite totale. Par contre, c'était une autre artiste d'une autre tribu. Ces mêmes gens devaient boycotter. Passe donc un message à un mec qui doit arrêter sa manipulation. Et vu que toujours lui, il est en train de dire comme quoi Flore Denis a humilié le Lofoja. Donc, elle s'adresse aussi à un mec, veuve joyeuse, toutes ces personnes-là. Et Madokas qui ont décidé de faire une campagne sur ça, qui sont en train de se mobiliser comme quoi ils veulent à tout prix que Flore Denis et le Lofoja. Comme quoi elle a humilié le Lofoja au refuge. Elle dit donc qu'à un moment donné, les gens doivent arrêter la manipulation. Pourquoi? Parce qu'avec le Lofoja, elle avait un seul. Parle aussi l'affaire Achille Mana, que la fille a perdu. Pourquoi? Parce que quand elle regarde Achille, aucun homme ne peut accepter l'humiliation là. Pourquoi? Parce que la fille même fait qu'au Vietnam, dit c'est qu'elle ne tourne pas le piment, en tout cas la famille. Et ma mère, mais ça ne m'empêche pas de jouir de ma vie. Alors ce week-end, il y avait le concert de Caris Photo. J'ai vu encore que les Camerounais sont unis. Les gens peuvent traiter du concert du village et raconter. Ça, ce sont des faibles qui racontent les choses comme ça. C'est les nyama, les gens qui n'ont rien foutu dans leur vie, qui peuvent dire que oui, c'est un concert des gens du village. On accepte. C'est un concert avec l'animation qu'il y avait. L'ambiance était terrible. Je fais aussi un big up comme ça à Caris Photo qui a tenu. Maman, moi, je ne connaissais même pas. En fait, au départ, je me disais que non, ce n'est pas mon genre de musique parce que c'est le genre de musique des riches là. Vous voyez, le genre de musique qu'on écoute, c'est moi, on fume le cigare, on boit le bon champagne. Vous voyez un peu, non, on appelle ça la soul music. Donc, je me disais que ouais, ça, c'est le genre de musique des watts. Mais laisse tomber. Mais je me suis ambiancée que, maman, quand on va au concert, est-ce qu'on va là-bas jouer le comportement? Quand vous me voyez, Flore Denis, la reine met la paix s'asseoir. Quand je suis au Shabbat, je me dégage comme vous ne me jugez pas. Oh, le comportement. Parce que quand on est là-bas ou là-bas, où il y a les milliardaires, là, c'est les comportements qu'il faut. Donc, du coup, moi, j'aime bien le Shabbat. Je suis à l'aise partout. Allez, mais est-ce que je vais voter? Prenez vos destins en main. Tout de vous asseoir de pleurnicher. Le Cameroun. Allez vous inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir choisir votre président, la personne que vous voulez. Vous savez qu'en Europe, tu tapes un homme, il n'agit pas. J'ai dit que mon projet challenge, c'est taper un homme ici à Paris. À Gobita. Trop bavardé. Je ne suis pas une personne qui bavarde beaucoup. Je suis une personne qui a de l'éducation. Hein? Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux, ça mélange les gens. Qui a le charisme, une femme qui a le savoir-vivre et une personne qui est amour. C'est ce qui. Voilà la définition de Flore Denis. Vous avez essayé de me noircir pendant des années. Vous voyez que ça ne marche pas. Les cœurs. J'ai passé une soirée. C'était topissime. Oh, j'ai vu ma sister Jaguar, le président Amot. Après, ma yamseur chou. La yamseur, c'est-à-dire que le nom qui va, la personne qui est trop énervée met le corde sur son cou, la corde focus. Je ne sais pas trop parler. Moi, j'agis. Ah non, du talk over. Voilà, donc Yami. Donc, la personne qui est trop fâchée, oh, ma yamseur. Le joker était de ta maman. Dans le joker, il n'y a pas le comportement. On s'amuse à fond. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand je vois le Tata Lolo TV, on s'amuse et tout, on est parti au refuge. Quand les stars sont là, ça se ressent. On ne force pas la star mania. On est star, on ne devient pas star. Je suis une star, j'ai mon étoile qui brille. Vous allez faire quoi? Vous allez l'arracher. Faites même 1 milliard de directs, ça va changer quoi? Ça change le charisme que j'ai. Ma mère soeur, enfin, je me suis battue. J'ai fait 20 ans de mariage, j'ai eu mes carolos. Je monte, je descends, j'ai découvert le monde. Je connais, j'ai déjà fait le tour de la planète, Flore Denis. J'ai dormi dans les plus grands hôtels. Je ne suis pas une fille complexée. Voyager est une richesse. Je suis maman. Maman a 2 avions. Et je suis une guest. Ça fait depuis 2015 que je suis une guest dans les événements. Ma présence, mon apparition dans une soirée, c'est 2000 euros. L'apparition, entrer, s'asseoir, boire et manger et s'amuser avec les gens, c'est 2000 euros qu'on me paye. Sans compter le billet d'avion, le transport, l'hôtel et tout ce qui va avec. Je n'ai pas peur ou honte de le dire. J'assume, je jouis de mon image. C'est-à-dire que je vends mon image. Et pour vendre son image, il faut la travailler. Je ne suis pas une traîneuse. Quand il y a les deuils, on me voit. Quand il y a des choses importantes, on me voit. Je suis là, j'assiste les gens. Je ne joue pas la star. J'entre à la cuisine, je fais ceci, je cuisine. Je suis là, je suis une personne qui sait assister les gens. Et je ne triche pas. L'appel va vous rendre zing zing plus que ça. Alors, je ne suis pas une fille complexée. J'ai fait le tour du monde. Là, je m'en vais au Cameroun passer le week-end. Pourquoi je vais au Cameroun? Je m'en vais au Cameroun assister ma collaboratrice et sa dot. Son mari va la doter. Quand on aime une femme, on l'épouse. On le baba. Et dans la culture africaine, c'est la dot. Pourquoi les ancêtres bénissent l'union? Je m'en vais au Cameroun pour le week-end dot. Parce que Nadège Timparfait, qui est ma collaboratrice, qui vit en Europe, ici en France, à Paris, avec son mari, il a décidé de la doter. Ce n'est pas beau. Amen. Que toutes les femmes célibataires qui me regardent, que les hommes ont promis depuis des années, que les hommes disent que à gauche, je vais, que ces femmes-là soient libres aujourd'hui, qu'on aille donner la bouteille, on les dote. Amen. Soyez bénis. Envoyez les cœurs. Dieu va ouvrir votre chemin. Le garde avec qui vous êtes va le vous doter. Mes chers frères et sœurs, nous sommes les Bantous. On peut beau faire les mariages ici-là, mais le mariage est le plus important. C'est la dot. Les ancêtres. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais au week-end, je vais au Cameroun. Je vais passer le week-end. Je vais pour la dot et je reviens lundi, tout simplement. Donc, quand on travaille avec quelqu'un, on doit aussi soutenir sa collaboratrice. Surtout un événement aussi heureux.
Je ne pouvais pas manquer cet événement-là. Donc, raison pour laquelle je repars au Cameroun. Parce que les gens vont se dire, bon, eh ben, au Cameroun, il était déjà la semaine dernière au Cameroun. Je parle au Cameroun tous les jours. Il n'y a pas de problème. Le Cameroun n'est pas loin, c'est à côté. C'est à 6 heures de vol. C'est comme quitter ici, aller dans une ville en France, dans le TGV. C'est pas un problème. L'after, après le conseil de Caresse Photo, le président Mouda dit que vous voulez aller où? J'ai dit, je vais aller chez la doyenne. Mais on a payé, il y avait du monde chez la doyenne. Il n'y avait pas de place chez la doyenne. J'ai donc dit, chez la, au refuge. Nous sommes allés au refuge, on s'est retrouvés tout ça. C'était une soirée inoubliable. La soirée était belle. La soirée était, maman, le secouement de ça. Maman. Est-ce qu'elle peut m'encore secouer? Maman. Il faut voir secouer, secouer, secouer. Maman, on a secoué. On a dansé. On a dansé. On a mis le refuge. J'ai dit que on a dansé propre. Maman, le geste que les gens ont beaucoup bavardé en disant que j'ai tapé le pied de ma yam sœur, c'est un geste spontané, un geste de protection en fait, vous voyez. Parce que Tata Lolo TV était habillée en petite tenue et dans l'ambiance, vous savez, des fois dans l'ambiance, tu peux faire des choses, mais c'est l'esprit de l'ambiance parce que tu es heureuse, parce que tu es fière, parce que tu te dis, j'ai passé des années à m'engueuler pour rien, aujourd'hui, je suis bien avec ma yam sœur, je vais m'amuser. C'est sans arrière-pensée. Je ne suis jamais réconcilié avec Lolo pour nuit à qui que ce soit, parce que je n'ai pas de compte à rendre. Ma vie, c'est moi qui l'a fait. Ma vie, c'est moi qui l'amène. Alors, je vais vous dire la vérité, ce geste de baisser le pied de Mariam sœur, c'est un geste protectrice. Parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un de très maternel, et quand je suis avec les gens, j'ai un peu le regard, je contrôle. Vous voyez, je protège. Donc, quand j'ai baissé son pied, c'est un geste de protection. Parce que elle avait une petite tenue. C'est un personnage public. Qu'est-ce que les gens attendent? C'est de la filmer. Il y avait les caméras, il y avait les gens qui filment. Il y a les gens qui filment, il y a du monde qui filme. Alors quand je baisse son pied, c'est pas parce que je la ridicule, non, c'est parce que je la protège. Et si c'était à refaire, je ferais la même chose. Je taperais même le dos. Vous avez compris avec quoi? Je dis bien, si c'était à refaire, je referais la même chose. Donc dans toute la soirée qu'on a passée, ce n'est que ça que vous avez remarqué. Ben vous avez bien vu, hein. J'ai bien tapé son pied. Elle a même tellement eu mal que les pompiers sont venus la chercher. Donc si c'était à refaire, je referais la même chose. C'est un geste protectrice, c'est un geste... Je ne suis pas avec elle, je ne sais pas, je n'attends rien d'elle, c'est juste de l'amour. C'est juste qu'on est bien. La guerre n'a jamais rien apporté à personne. Je ne suis pas là pour profiter d'elle, ou bien pour prendre son étoile, parce que c'est une personne qui a une forte personnalité, et moi aussi. Même si ça avait un an, elle est mon aînée, et je la respecte. Raison pour laquelle j'ai toujours eu des limites dans ce que j'ai souvent fait, même quand j'étais en clash avec elle. Est-ce que pendant mes clashs avec Tata Lolo, malgré tout, je n'ai jamais traité Lolo, par exemple, de stérile? Parce que je suis quelqu'un qui a du contrôle. Je ne bavarde pas n'importe comment, en fait. Je suis une personne qui protège. Ne pensez pas que je l'ai ridiculisé, non. C'était un geste protecteur. Je suis avec ma soeur. Elle est en train de s'amuser. Ce n'est pas qu'elle avait saoulé, non. C'est juste que dans l'ambiance, peut-être elle a cru qu'elle avait porté un pantalon. C'était le bikoussi et tout. Elle voulait lever le pied. Moi, j'ai baissé son pied. Où est le problème? En quoi ça vous choque? C'est ma yam soeur. Même si elle tapait son pied, même si elle donnait les coups de poing, où est votre problème? Occupez-vous de vos patates, occupez-vous de vos cigarettes, regarde. Qu'est-ce qu'on n'avait pas eu à lui dire? Parce qu'on s'est fait du mal toutes les deux. C'est 50-50. Aujourd'hui, je ne suis pas avec quelqu'un, je me méfie ou bien quoi que ce soit. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je lui raconte de ma vie? Qu'on peut s'appeler, bonjour Mayam, c'est comment? Tu as passé une bonne journée? Ça va bien, je vais au Cameroun. En Europe, on vous dit que organisez votre vie. Maintenant, vous devenez aigri, vous avez mal, pourquoi? Vous devenez ici inventer, oh, un compresseur, c'est monté, c'est descendu. Oh, elle a vendu le terrain à Fleur de Lille. C'est monté, c'est descendu. J'achète le terrain quand ils sont en construction. Vous ne vous, parce que vous voulez savoir. Elle vend le terrain, c'est son terrain, elle fait de ça ce qu'elle veut, c'est son problème. Quand on vous demande d'acheter les terres de bâtir, vous avez vécu avec les blancs, les noirs, les chinois, les sociaux, mais investissez dans vos vies. Aujourd'hui, si j'ai un problème, je décide de couper même 200 mètres carrés sur mes 1000 mètres carrés, je vends. Vous allez me demander pourquoi j'ai vendu. Quand j'achetais, on était ensemble. Le terrain, c'est le meilleur investissement. Si vous avez dépassé, allez faire les champs. C'est pas par peur. Parce que j'ai choisi de ne plus répondre au clash. Mais ne vous dérangez pas. Vous me connaissez, non. Je peux changer comme tout le monde peut être tourbillon sur les réseaux. Mais dans le tourbillonnage, il faut respecter. Il faut respecter les gens. C'est quoi? Donc, en dehors de parler de Fleur de Lille, mais tout le monde parle de moi parce que je suis star, je suis un personnage, je ne m'en jamais caché. Je dis qu'à tout moment, je suis prête. Même si c'est la jam, je suis prête. Vous croyez que quoi? Bande d'ingrats que vous soyez, n'importe quoi. Et écoutez, mon ami, ce sont mes abeilles. Et je vous ai dit, mon centre d'intérêt, ce n'est pas venu de prendre les choses à deux balles. Mon centre d'intérêt, c'est de m'occuper de ma mère. En quoi ça vous choque? Et si je mange derrière ma mère, ça fait quoi? C'est le profit, non? Si je profite derrière ma mère, ça fait quoi? Je peux manger derrière elle? Je mange derrière elle, ouais, votre problème. Hein? Elle rentrera le jour que je vais vouloir. Elle rentrera, ma mère ira en Afrique quand je vais vouloir. Et quand je trouverai le bon moment. Ma mère n'est pas sans papier en France. Elle n'est pas sans papier en France. Je suis sa fille, je suis européenne depuis 2006. Et elle a deux petits-enfants français. Donc je ne sais pas, toute ma famille, on est là. C'est quoi? Malchance.
C'est quoi? Pourquoi Philippe vieille chouette et grillée? Pourquoi? Pourquoi la paix vous dérange? Je vous ai dit que je suis en paix avec tout le monde sans exception. Et ça ne chauffe pas. Le 2 novembre est ouvert à tout le monde. Et il y a des personnes qui, même avec l'argent, en payant, ils n'entreront pas. C'est moi qui décide. C'est mon événement, c'est moi qui investis. Papier. On veut que pour au Cameroun, je paye le visa, putain de bordel. Je paye un visa. Les gens sont là, ils n'investissent même pas pour un pays avant. Moi, je paye le visa quand je vais au Cameroun. Bon sang. Je viens de payer encore un visa. La dernière fois, mon visa est fini. Je suis rentré avant de mon visa fini. Je paye un visa pour aller au Cameroun. Je ne squatte pas. Hein? Je ne quémande pas que pardon, donnez-moi le visa. C'est quoi? Vous me fichez la paix, voyons. Vous me laissez jouir de ma paix avec ma yam soeur chérie. Hein? Quand je fais la paix avec compresseur, vous avez dit que ça ne va pas tenir une semaine. Je pense que ça doit faire 5 ans aujourd'hui. Hein? 4 à 5 ans aujourd'hui. Eh bien oui, chacun gère son couloir. Ma paix avec Lolo, c'est une place. Ma yam soeur chou, ma paix avec elle, c'est une place. C'est une place. Elle n'est pas ma copine. Lolo n'est pas mon ami. On n'a pas traîné ensemble. Ce n'est pas ma copine. Parce que vous confondez entre les copinages et c'est ma yam soeur. C'est ma soeur. Ce n'est pas la copine des copinages. Et je n'ai aucune mauvaise intention avec Lolo. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a fait faire la paix. Je suis désolée. Vous savez que les gens montent trop sur les réseaux. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a fait faire la paix. Personne ne nous a fait asseoir. Avec tous ceux qui sont, tout ce monde qu'il y a dans la diaspora, personne, coucou, Flokouma, personne ne nous a fait une assise. C'est comme avec compresseur. Personne ne nous a fait asseoir. Ben, j'étais à Lille. Vous connaissez comment ça s'est passé. J'étais à Lille. Il y avait deux, j'ai fait un coucou à René Star parce qu'on dit, même dans certains malheurs, les gens trouvaient leur bonheur. Alors, j'ai trouvé mon bonheur en faisant la paix avec ma yam soeur au deuil de René Star. Même dans les deuils, les gens trouvaient même les maris. Alors, j'étais là, ils étaient dans leur coin et tout. Et puis, bah, je suis allée dans la voiture. Je suis revenue, j'ai dit, c'est qui la chef terre ici? Toi, de Dieu, tu veux chef terre ou pas? Je suis allée vers ma yam soeur, où est le problème? Eh bien, c'est pas ridicule. Au contraire, le geste, c'est un geste humain à féliciter. Pourquoi ma vie sera toujours une source de bénédiction? Parce que suffit qu'un cœur pur. Je ne suis pas parfaite, mais suffit qu'il y ait un bon cœur. Et Dieu voit nos cœurs. Dieu nous connaît, nous tous. Mettez-vous en prière. Dieu nous connaît, nous tous. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit, Dieu sait ce qu'on pense. Alors, tant que tu ne penses pas du mal sur quelqu'un, rien de mauvais ne t'arrivera. Ma mère en vie, c'est mon Dieu sur terre. Vous pensez qu'on me fait quoi? Hein? J'ai la protection de ma mère à Langmimbouva. On suit votre maison. La maison des abeilles, des sympathisants. Oh, la maison cotisante. Vous connaissez combien d'amis là-bas? Elle a mis plus de 100 000 euros. Cash! Ce n'est pas les conneries que vous racontez. J'ai dit, mais pour finir ma maison, il serait 250 millions. Finir meubler tout ça, 150 millions. Et encore, parce que c'est pas, ça ne sera pas le grand, grand luxe. Mais j'essaie d'acheter tout ce qui est bien. C'est un peu. Est-ce que je cours? Est-ce que c'est la course? Moi, je veux Bakoko. Parce que comment tu échanges? Je vais rentrer m'asseoir là-bas. Tisa même, numéro 3. J'assume. Il y a quoi même? Il y a quoi en Europe? Vous-même, vous voyez qu'il y a encore quoi ici? Même à soi au pays. Je suis moi Tisa là-bas. Où est le problème? Quand le gars vient, il fait seulement le portail, ça s'ouvre, c'est bien, ça s'assoit, maman. Pour que ça soit dans la baignoire, la mope de ça. Et une fille qui va rentrer vivre au Cameroun, qui sera Tisa, même si c'est Tisa de 5 hommes mariés, ça fait quoi? Je vais rentrer au pays et on se voit là-bas. Pour les gens, comment on l'appelle l'autre là? Le problème là? Les gens qui mangent 6 fois par jour. Ah, on a aussi écouté que même les milliardaires, la femme de Achille et Manala, dites-moi, parce qu'il y a juste un mot que je veux savoir, dites-vous comment ils sont mariés? 5? Non, c'est le vieux, on reste où c'est le mariage? Maman, tu ne peux pas ridiculiser un homme comme ça et prétendre que vous allez recommencer encore. Ma, tu l'as insulté, hein? Tu l'as ridiculisé, hein? Comment s'appelle la fille là? La blanche là? Une blanche qui parle en patois, maman. Maman, elle voit la photo. Je vois la photo, elle voit que c'est une blanche. Je dis comment? Une Thaïlandaise qui parle en patois, maman. Elle parle là, elle dit que. Je regarde, dis comment? C'est une blanche ou bien c'est une noire? Je dis que non, c'est une blanche. Je dis que maman, avec le ton là. Je dis que, mais c'est une bête de Thaïlandaise qui parle le français en Yaoundé comme ça là. Maman, même si c'est le milliard, je suis une femme. Mais une femme m'insulte comme ça. Avec le corps de la mère, soi-disant ton mari, maman. Tu as prémédité tout. Dans la vie, hein. Tu sais, quand tu as versé, et tu veux mélanger tout le monde dedans, c'est pas bien, arrête de bavarder, tu bavardes trop. Moi, je pensais que les milliardaires ne parlent pas trop, hein. Tu as calqué des gens de présidence qui bavardent partout, partout, comme c'est quoi ça? Hein? Elle s'appelle comment la Thaïlandaise, là? Moi, arrête un peu, tu bavardes trop. C'est quoi, toi, n'importe qui va te parler, tu vas raconter la vie, mais arrête un peu. Un jour, il n'y aura plus cette présidence-là. Vous allez prendre quoi pour intimider les gens? Tu n'as pas honte que ta belle-mère est encore dans la glace, c'est toi qui dis. Tu insultes une maman. Eh hey, Seigneur, j'étais quand je vois comment je suppliais le boxeur quand j'étais encore ancien riche. Moi, tu as même donné quoi? Qu'est-ce qu'il a conçu la maison? Eh hey, Seigneur, c'est-à-dire que quand on voit les filles aujourd'hui, une fille achète la recharge de 10 euros à un homme aujourd'hui. Nous sommes les gars, les hommes ont mangé notre argent. J'ai seulement été sage. Tu achètes une petite recharge, tu achètes le pain haricot à un homme, à un footballeur. Parce que tu as donné à Achille Manasse, c'est le pain haricot. Les beignets haricots. Tu achètes les beignets haricots, tu ne vas pas avoir honte. Moi, tu n'as pas honte. Tu achètes les beignets haricots, le pain chargé à un homme. Tu parles fort pendant que les vrais vieilles chouettes. Elle construise les maisons. Tu parles de la voiture. Je crois même que tu as acheté, tu as mis son nom.
Lui, là, seulement demander ta voiture pour conduire. Tu parles. Pour... Les filles achètent les voitures et donnent aux hommes. Maison. Donc, dans tout ça, tu n'as pas conçu la maison lui donner. Mais dans vos milieux de footballeurs, les gnorsements entre vous, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous devenez même les gays. Vous gnorsez tout comme le ballon. On vous gnorse les gnorsements comme ça. Entre temps, les gars là ont leur femme à la maison qui respecte. Ah. Et le Touma, tu fais quoi derrière? Hein, ma, tu pleures la Touma? Non, c'est la Touma que tu crains. Non, Touma, ma, tu pleures la Touma propre. Dans ta Touma même là. Parce qu'on pleure la Touma, on supplie avec les beaux mots. Tu pleures la Touma, c'est toi qui dis les grossièretés. C'est toi qui dis que si quelqu'un traverse au corps de sa mère pour aller dormir, où est le problème? Ça veut dire qu'il habite avec sa mère. Donc tu vas discuter l'héritage dans une famille qu'on t'aime trop. Tu as donné combien là-bas? Moi, le boxeur m'a rendu. Mais le boxeur m'a fait enlever la perruque. Tu es même encore là dans tous tes états. Tu n'as rien. Ça veut dire que le gars ne t'a pas mis en dépression. Mais tu parles pour un homme comme ça, ma. Je suis un homme. Un wallahi bilay. Si j'étais un homme, une femme me parle comme ça. Je ne peux plus retourner avec elle. C'est la gnasse de quoi? C'est le trésor qu'il y a dans ses fesses, ma. Mais ça, c'est toujours le trou qui coule aussi l'eau. C'est le trou que si elle se lave, ça sent aussi. Il y a quoi? Un homme. J'ai dit qu'une femme me parle comme cette fille a parlé à Achille Mana. Même si c'est tout l'or de la terre, je ne retourne plus avec toi. Soit même la fille unique de la première dame, ça fait quoi? On vous a dit que quand on est la première, et quand on est dans la famille présence, on ne pleure pas le Ngoumé. Moi, je ne sais pas pourquoi vous mélangez tout le nom de cette première dame. Le Ngoumé. Ma, non, non, franchement. On pleure le Ngoumé. Les pleurs de là, c'est le dit, c'est qui? La Stamania. Ma, elle dit que ma Stamania, je suis maintenant une place avec ma Stamania. Une place avec ma Stamania. Je ne partage pas ma Stamania. C'est la dite à qui? La voix de ça. Ma. Hey! Quand tu vois les sangs de son. Il s'appelle. Non, Achille Mana. Oui, pardon. C'est pas les sangs de son, c'est Achille Mana. Les plaqués de la placali. Mama. C'est le genre de gars que quand tu combo, tu le griffes d'abord. C'est-à-dire que quand tu prends ses muscles, tu sens que c'est le. Donc c'est le chewing-gum. C'est-à-dire que. Hein, tu sais, maman, regarde, tu travailles les muscles comme les Américains. Moi, les Allemands, Américains passent leur vie dans les salles de sport. Ils ne travaillent pas. Maman, on dirait que tu as acheté cette dernière voiture pour donner aux gars. Tu l'as dit, je me suis torché avec ça jusqu'à. Quand j'ai regardé comme ça, maman, j'ai imaginé le chocolat sur son corps. Mais tout mon corps a tremblé. Maman, non, mais c'est toi, Nyanga, mon frère. Les aplaka. Aplakali de ça. Maman, le gars n'a plakali. Pas le chéja, ventre semoule, que ça coule, la semoule. Qui... Maman, regarde les aplaka. Non, ma perruque, tu tiens ici, là, tu. Merde! Moi, tu gardes maintenant le bon plantain pour toi, c'est pourquoi? M'appelle, on te forme. On va te former parce qu'on voit que on te forme. Le genre de gars là, tu ne niaises pas seul. Tu appelles les copines qui t'entourent pour que vous mangez le gâteau ensemble. Moi, j'ai un gars comme ça, mais attends, j'appelle mes copines, je partage avec mes copines. Je ne suis pas chiché. Demandez à mes copines, elles vont vous dire que moi, quand j'avais un bon niasseur, je donnais tout aussi à mes copines, que je niasse aussi mes copines. Même quand par derrière, elle veut faire qu'elle va aller parler au gars, moi, je refuse. Un bon plantain comme ça, tu viens mettre ça dehors. Et puis même les photos, on a vu ça depuis, dis donc. J'ai dit que j'ai déjà joie sur ça jusqu'à le joyeusement de ça. Franchement, mon mari, maman, quand je vois 5 ans, quand j'ai demandé, mais elles ont fait quand on dit que 5 ans, c'est quoi? Nous, on a fait les 15 ans de 10 ans, on nous a barrés. Le gars se lève et m'a dit, change de numéro, tu sais pas où il est. On était 10 à 20 ans. Quand j'ai 5 ans, 5 ans, c'est quoi? Et ça n'a peut-être même pas 5 ans, c'est 4 ans. Ma, tu pleures 4 ans de ta vie comme ça, avant tu étais où? Tu étais avec qui? Ya, honte à toi, une belle fille comme toi. Tu pleures quoi? Hein? Une belle fille thaïlandaise. Tu fais quoi en Thaïlande? Tu vends les mèches. Avant tous les milliardaires qui vendent les mèches, là, moi je suis Wanda. Tu vends les cheveux, maman. Tu travailles quoi dans la vie? Quand je suis allé voir sa mère, j'ai payé son transport. Hey, Seigneur, même moi, je n'ai rien, maman. Mais je ne peux pas donner un nom, mais comment ça? J'ai payé son transport. Je suis allé dans ça à l'hôpital. 3 jours, c'est quoi? Quand on parle d'assister une belle mère, ça veut dire que tu as tapé 2 ans à l'hôpital avec elle. On va t'aimer. Je suis resté 3 jours. Maman, dis-nous ton vrai travail. S'il y a le réseau, maman, tes soeurs sont en France, elles souffrent. Donne-les aussi les comptoirs, non, maman. S'il y a les comptoirs, fais le placement, non. Donne-les aussi les comptoirs, il y a quoi? Hein? Tu vas me rendre tout ce que je t'ai donné. Tu vas me rendre, ma, c'est les villageois qui font ça, ma. Vraiment, ce n'est pas classé. Le voice, ça, tu savais. Parce que dans le voice, tu dis que je vais, tu sais que ça va se sortir, que ça va balader partout. Mais ça t'a ridiculisé. Ma famille, vous avez écouté comme moi, Flo Dili, qui a carrément dit que elle, auprès de Lolo Fodja, en fait, elle jouait un rôle de protectrice. Donc, elle, en fait, auprès de Lolo Fodja, elle cherchait uniquement à protéger Lolo Fodja. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au départ, sur ma première vidéo précédente que vous avez vue ce matin, je l'ai dit que si Flo Dili peut-être abaisser le pied de Lolo Fodja, c'était uniquement pour la protéger. Mais comme certaines personnes sont mal intentionnées sur les réseaux sociaux, quand peut-être ça concerne Florie, ou alors venir toujours avec la discorde, selon ça qu'elle était en train de dire qu'à un moment donné, les gens doivent arrêter. Pourquoi? Parce que ce qu'elle faisait à Lolo, elle cherchait plutôt à la protéger. Elle parle aussi de l'affaire Achille Mana.
comme quoi la femme d'Achille Manakan elle-même elle a fait là, elle a balancé ses photos là, elle s'attendait à quoi. Et même le voice qu'elle a balancé, la Fleur de Lys certifie comme quoi elle-même peut mettre sa main aux photos, c'est la fille là qui a balancé ce voice. Pourquoi? Parce que quand elle envoie le voice, elle dit qu'elle va tout faire pour que le voice là se retrouve dehors. Elle voit donc qu'elle est devant les faits accomplis, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est obligée en fait de nier tout. En même temps aussi, sans oublier aussi, elle s'agresse aussi à influenceuse blogueuse d'État, à toutes ces personnes-là qui sont en train de tout faire pour qu'elle et Loulou Fodjia, ils doivent sauf que se séparer. Elle est en train de dire que ça n'arrivera jamais. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Fleur Delis. Merci encore, Abidou.